Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'amertume, beaucoup d'émotions que j'ai avec moi. La joie, c'est parce que je vous retrouve et que nous sommes en train de communier. Et la joie, c'est parce que vous êtes en train de répondre massivement à l'abonnement que je vous demande tous les jours de vous abonner sur cette émission. En tout cas, je suis très ravi. Ça me fait du bien lorsque je vois beaucoup de gens adhérer à cette idée de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Donc, c'est avec joie encore que je vois beaucoup de gens qui m'appellent pour justement à ce que je puisse consolider justement cette idée et puis réveiller la conscience des Congolais. L'amertume et la désolation, c'est parce que ce qui se passe dans mon pays, ce qui se passe en République démocratique du Congo laisse à désirer. Ce qui se passe dans le Katanga, là-bas, où il y a encore des tueries, où il y a encore des signes de tribalisme, les gens, disons pas le tribalisme, mais des guerres inutiles, des tueries inutiles. Cette semaine, nous nous réveillons avec des images atroces. Des images qui ne font pas honneur à notre pays, pendant que nous sommes en train de chercher un moyen pour que nous puissions être ensemble pour développer notre pays. Tout ça à cause de qui? À cause des discours haineux, à cause des gens qui ne s'aiment pas, à cause de cette base justement qui est plantée, cette base de haine, cette base de corruption, où les gens ne savent pas où est-ce que nous allons. La vision de notre pays n'est pas claire. Nos dirigeants ne nous montrent pas vraiment là où nous sommes en train de partir. Ceux qui sont au pouvoir, effectivement, aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Avant toute chose, avant que je ne vous parle de tout ce que vous pouvez faire, vous qui me suivez pour la première fois, vous qui êtes là, qui me suivez tous les jours, prière de partager cette émission. Prière de partager ces vidéos. Ne vous limitez pas à me féliciter ou bien à faire des likes ou bien des non-likes. Mais partagez, parce que l'idée que nous voulons implémenter, l'idée que de quoi nous parlons ici, c'est pour le bien de notre pays. Nous voulons à ce que notre pays puisse décoller, et c'est le réveil des consciences. Si cet réveil peut être dans toute la masse de la population, ça nous fera vraiment du bien. C'est comme ça que nous nous disons, nous n'arrêterons jamais à réveiller vos consciences. C'est pour cela, partagez les émissions, commentez, ça montre que vous êtes avec moi. Appelez-moi pour des discussions pour que nous puissions aussi voir si quelque part là où j'ai dit ou bien j'ai failli à dire ce qu'il faut dire, je peux corriger dans les prochaines émissions. Donc aujourd'hui, nous parlons de quoi? Aujourd'hui, nous allons parler, effectivement, nous allons tourner tout autour du discours, du dernier discours de la mandature de Félix Tshisekedi, le discours qu'il a prononcé devant le Congrès, donc le Parlement, et puis le Sénat réuni en Congrès. Ça, c'était le dernier discours de son mandature. Et nous allons prendre quelque chose qu'il a bien dit lui-même. Faudrait-il repartir à zéro ou consolider les acquis de la construction qu'il a entamée? Nous allons essayer un peu de vous faire voir ce que nous pensons de cela. Mais avant d'aller plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour développer notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Processus électoral. La CENI reconnaît une erreur portant répartition des sièges par circonscription. Et puis, élection intox, les cartes d'électeurs brûlées ne seront pas prises en compte. Ça, c'est la CENI qui dit ça. Et enfin, qu'est-ce qui se passe? Présidentielle, ces précisions de Kamita, tout sur le programme de Katumbi. On va sur actualité.cd. Violence meurtrière à Malembankulu. La situation est calme. Les enquêtes sont en cours et on espère très rapidement mettre la main sur les responsables qui ont les tentacules à Kinshasa. Les gouverneurs souhaitent piloter la campagne électorale de Félix Tshisekedi. Tentative de suicide d'un prévenu meurtrier Maître Akenge, l'accusé admis à l'hôpital après des blessures graves. Congo profond, infrastructure, le président Félix Tshisekedi inaugure la route Nzolana-Lundi. La nouvelle rébellion EFRD au nord du Rwanda. Voici les conséquences potentielles sur la R2 Congo. Kasaï sous l'œil impuissant des autorités provinciales, un ravin attaque le chemin de fer. 7 sur 7. Élimination mondiale, la RDC a gagné par 2-0 la Mauritanie. Félix Tshisekedi, l'état de siège a limité les coulages des recettes et les fraudes institutionnelles qui ont élu domicile depuis la décennie au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. On va sur Radio Okapi. Radio Okapi ici, Kinshasa, des panneaux des candidats des élections pour toujours visibles malgré leur interdiction. Sud-Kivu, au moins 259 décès du diabète dénommé depuis janvier dernier. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Le choix entre repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, nous commençons cette émission comme vous aviez suivi la petite partie qui m'a intéressé beaucoup dans ce discours. C'est quand Fatshi dit « Nous avons le choix aujourd'hui de repartir à zéro ou de consolider les acquis que lui-même a entamé la reconstruction du pays ». J'ai pris tout simplement cette petite extrait pour élucider, pour vous expliquer de quoi est-ce que nous pensons sur ce qu'il a dit. Alors, sans plus tarder, nous allons aller directement sur ce qu'il a dit. Et moi, je vous ai dit dans l'autre émission, ceux qui me suivent sur TikTok, je vous ai dit que je suis content aujourd'hui. Je suis content parce que c'est comme si Félix Tshisekedi se réveille, mais c'est très tard. La mandature n'a été commise tard. Nous avions déjà vu tout ce qu'il a fait. On va recommencer à zéro comment? Nous avions demandé cela depuis 2019, Bandé Konangai. Depuis 2019, si vous me suivez, nous avions dit « Please, pardon Fatshi, recommençons à zéro. » Et vous pouvez aller dans mes vidéos. Et d'ailleurs, je vais essayer un peu de vous mettre le lien dans la description ici de cette vidéo-là où j'ai demandé à Félix Tshisekedi en 2020, 2019, 2020, que Fatshi, il est grand temps que nous puissions recommencer ce pays à zéro. Ne vous fiez pas à aller dans des programmes qui ne produiront absolument rien parce que les bases sur lesquelles notre pays est assis, ce sont des bases vraiment qui ne pourraient pas nous aider à faire avancer le pays. Il faut poser le pays sur des bases solides. Nous avions demandé à Fatshi en 2020 à 2019, je crois que c'est en 2020, où nous lui avons demandé « Pardon Fatshi, Tobandela à zéro ». Tobandela à zéro, ça veut dire quoi? Nous avions demandé à Fatshi de réorganiser le pays. Réorganiser le pays, c'est-à-dire quoi? Consolider d'abord la réconciliation nationale, poser la base d'un pays moderne. Les bases d'un pays moderne, c'est que le peuple congolais doit d'abord se connaître et s'accepter. Le peuple congolais doit savoir où il va. Et nous avions demandé à Fatshi le programme qu'il faut y aller, par quels moyens il fallait y aller. Nous avions dit, Fatshi, pour poser les bases, afin que le peuple puisse avoir confiance d'elle-même, il faut Congo. Et nous avions demandé à Fatshi de laisser tout ce qu'il peut faire, mais atia congolais tozalana nous na réconciliation nationale. Et le plan que nous avions dit, nous avions demandé à ce que nous puissions y aller avec le programme de 145 territoires, des programmes qui consistera a touché tous les Congolais, tous les peuples congolais. Et là, nous avions dit, ce qui pouvait faire mettre tout le monde ensemble, c'était la carte d'identité. La carte d'identité des Congolais est la seule base aujourd'hui qui peut nous réconcilier, nous reconnaître. Tant que nous avons un système où il y a malam, où il y a protéger l'identité à Congolais, les jours où nous tairons cette histoire-là de l'identité du peuple congolais, et c'est par là que sera la base de notre pays. C'est comme ça que nous nous sommes dit, recommençons à zéro en commençant par taire cette histoire-là d'identité. Toza comme on a un mot oeza ko gronge nani nabiso zali. Tantôt vous dites que non, l'armée a infiltré. Qui est infiltré et qui ne l'est pas? Nous avions même demandé à Fatshi de répondre à cette question-là. Qui est congolais et qui ne l'est pas? C'est à base de cela que c'est ça qu'on peut, dire que nous pouvons recommencer les choses à zéro. Qui est congolais et qui ne l'est pas? Répondre à cette question-là et que tous les Congolais sachent que qui est congolais et qui ne l'est pas, ça sera déjà la base que nous pouvons poser sur notre pays. À ce moment-là, nous serons avec qui nous sommes. Banani yango baza na kati ya armée, banani yango baza na kati ya administration. Combien nous sommes? C'est ça la base en principe. Oyo Fatshi Arataki, moi je pense que ça. Les bases, c'est quoi? C'est que nous devons recommencer à faire fonctionner l'administration de notre pays. L'administration doit fonctionner au niveau de la base. Base eza nini? Base eza ba territoire, base eza ba groupement, base eza ba secteur. L'administration doit commencer à fonctionner. Nous ne devrons plus avoir cette histoire-là à ce que Moutou a besoin d'un passeport il faut qu'il y ait Kinshasa. Moutou a besoin d'un loko il faut qu'il y ait Kinshasa. Moutou a besoin il faut qu'il y ait Kinshasa. Le travail ne se fait pas au niveau de la base. Mais Fatshi vient se réveiller à la dernière minute. Oh non, nous avons le choix. C'était en 2020 que nous devrions nous poser cette question-là. Répartir à zéro, c'est-à-dire que faire refonctionner le pays normalement. Que Batouba yebana, awa sokina lingina zwa carte d'identité, voici la procédure. Sokina lingina zwa sokinini, sokina lingina futa paku, voici la procédure. Soki balingi nomination ya batu, soki justice lingi, voici la procédure. C'est ça la répartir à zéro. C'est ça les bases que nous devrions faire. Mais je suis étonné aujourd'hui que Fatshi Nzokayebaki Bilokwana mais comme il que non, nous avons le choix. Nous devrions avoir le choix lorsqu'il commençait à prendre le pouvoir. Quelles sont là les bases de notre pays? Bandeko, nous avions dit ceci. Nzela yako consolider base en Goana. C'est-à-dire la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Et nous, ici, nous avions expliqué ça dans la manière à ce que Fatshi devrait redonner la parole au peuple congolais en disant « Bon s'organiser nanou, bon yokana nanou, na niveau ya banani ya ba territoire, na niveau... » Parce que c'est ça la souche de notre pays. Nous devons connaître qui est qui en République démocratique du Congo. Et Nanzela Otolobaki, il fallait que Fatshi puisse faire un appel. L'appel là, c'était quoi? L'appel au niveau ya Kolobakeno, Tobanda Kokobenga, les états de lieu de chaque territoire. Congolais Nyoso, Nakatia ba territoire, Tobanda Kobenga, na Tovanda ensemble, Tolobi, Yozan de Konangai. Tozana ba tribu combien awa, Banani yango bazalaka awa, Basalaka nini. Et cela devrait être fait au niveau des territoires. Ba discussion na yango Tolobaka ke, il fallait Banda Kosalema, na niveau ya ba territoire. Et là nous avions dit, en appelant ces états de lieu de chaque territoire, Tobanda Kolobakeno, Tokoyebi, Fatshi na mbongo oyazanango redistribuer équitablement sur tous les 145 territoires. Là, à ce temps-là, nous disions que ça ne pouvait peut-être que demander un 10 millions dans chaque territoire pour que les territoires aient le pouvoir et la capacité de s'organiser tout autour ya Koloba. Vraiment, awa masolo ezali boye. Masolo ezali awa boye botala ba biloko tozanango ezali awa nkita na biso awa ezalaka boye. Que le peuple congolais ait conscience de s'approprier même du développement de son territoire. Masolo ebeta makuna, que les gens discutent sur une nouvelle constitution. C'est ça là la mission que nous avions dit ces états de lieu devraient avoir. ba état de lieu wana congolais nyonso na kati ya ba territoire nyonso ba yokana biso awa banani yango bazalaka awa. L'histoire wana ya Mamulenge, même j'ai dit que même Banyamulenge, ça devrait être résolu au niveau local, au niveau des communautés ndenge ba vivaka. Ce sont eux qui devraient dire que non, oh ils abandé konabiso, mais bango bazalaki awa te bayaki boy. Il fallait qu'ils la définissent wana. Nous nous sommes dit, si par exemple tous les peuples congolais au niveau de chaque territoire, tokomi kozwa, ba consensus national, de consensus territorial, yakolobake, non. Voici ce qui nous. Voici mo bakonzi nabiso bazalaka. Ah, deronava tokobanda kopona bakonzi boye boye. Et c'est là, ezalakinde ba proposition pona loi fondamentale o ekolié biso nyoso na kati ya babiloko. Alors nous avions dit, la mission de ces états de lieux là était de d'abord identifier sécurité na bango, développement na bango, ba kokoso nyonso o bazalaka na yango, comment est-ce qu'ils peuvent trouver des solutions, comment est-ce qu'ils peuvent commencer à se prendre en charge au niveau des territoires. Et cela inclut dans une proposition que nous avions dit que la proposition d'une nouvelle constitution. Donc chaque territoire, nous avions dit que il fallait bazala au moins à 10 millions. Chaque territoire, il fallait redistribuer ça équitablement pour que Batounion Soba se sentir à Kolobake. Non, nous ne sommes pas Batou O Bakozalakaka dirigé par Batounsous. Ou bien Biloko O ba problème Otozako Koutananango A Nakatia Bambo Yaba territoire Nabiso Ezalaka résolu na Kinshasa. Ça devra être coulé sous une des propositions d'une nouvelle constitution. Donc, réécrire la constitution par le peuple congolais au niveau de la base. Et mission yaba état de lié linga kezala identifier les Congolais, identifier qui est qui dans son territoire, topotoyo kanato yebana. Et ces rapports là devraient venir au niveau yaba province. Ba province baya ko harmoniser ba texte. Pendant ce temps-là, l'identification devrait continuer. Batuna batu tango boko sala. Nous avions même dit que non. Na ba état de lieu wana, il faut que chaque territoire va se choisir 300 personnes qui vont siéger, qui vont se mettre en se disant awa elokoni nango biso tomoni ke mboka na biso eugi okende bien, tout en conservant notre pouvoir, tout en conservant comment est-ce que nous pouvons commencer à résoudre nos problèmes ici à la base. Au lieu que tous la kabatum sous na ndenga likolo. Donc, ba ensemble wana ya ba état de lieu elinga kezala na mission mibale. Identification et réécrire une proposition d'une constitution sur tout l'ensemble de la République. Babylon Kouana, nous avons 26 provinces. Bisoto proposa qui tolobi et lo Kouana bisoto koitika ba province ndenge zali. Soko tali na ndenge ba province zali okokuta chaque province ezana ba territoire mususu komona kaka 7 ou 8 territoires. Donc chaque 300 personnes na kati ya territoire bako se choisir eux-mêmes batu o bako kende siko na province pour harmoniser ba texte. On peut prendre même le 10% de ces gens là-bas qui sont dans la province pour harmoniser le texte. Donc, on prend dans chaque territoire 30 personnes, on va accompagner dans le niveau de la province. Ces gens-là devront être choisis au niveau local et à Katia province maintenant. Ils vont harmoniser le texte pour dire que non, bon, biso, ah, tout le monde a un problème, il y a nationalité, tu peux résoudre l'angoboy. Biso, botala, biso, nous sommes autant. Et chaque province devrait maintenant produire un autre document. Il y a quoi harmoniser le point de vue, il y a le territoire. Parce que dans la province, nous sommes comme on a. Bazana bangoka na 7 territoires, 6 territoires, 8 territoires. Alors, ceux qui basangani, toyena niveau à province, basi 26 provinces wana toko sangana. Na nombre ya batu wana to harmoniser texte wana ya banani et puis toza kosala pe suivi batu batikali baza kosala suivi parce que ekozala ka soki tozuna timwa kokoso bako se référer na batu bakotikala bakoloba oh awa batu balobi boy qu'est-ce que vous en pensez et ainsi na idée wana tozo kende nango on harmonise ça et puis vous allez voir à ce moment-là tokozala na consolidation ya batu koyebana batu bandimaka batu bandimi que non voici biso ato monaki moda il y a qu'à choisir, par exemple, administrateur des territoires, mode à qu'à choisir les choix dans la démocratie. Et là, maintenant, dans la province, c'est ainsi que nous pourrions maintenant amener ces résolutions-là au niveau il y a République Mobimba, donc il y a gouvernement central où nous pourrons avoir un nouveau Parlement. Et nous avions dit par ce temps-là que Fathi devrait rester en principe à regarder ceci devrait nous prendre combien de temps? Parce que beaucoup de questions à ce temps-là m'ont été posées. Ça peut durer combien de temps? Nous n'avons pas à nous précipiter, mes frères. Ça peut durer une année. Ça peut prendre 6 mois. Mais cela dépendra des programmes effectifs. Programme Ezali. On s'est focalisé pour reconstruire le Congo sur des bases en considérant justement le peuple congolais au niveau de la base. Alors, on va assemblée nationale, une assemblée constituante où maintenant nous pourrons appeler maintenant les juristes à harmoniser les textes selon les lois. Parce que déjà, l'idée de la base a été déjà obtenue et puis ils ont à côté à l'écolo. Alors, nous avions dit, pour la guerre na Katia Est, côté à territoire Wana Moussousou, c'était facile parce que les gens devront être là. Nous avions dit maintenant, que tous ceux qui ont les armes puissent se poser. Parce que nous devrions reconstruire une nouvelle armée, une armée républicaine. Chaque territoire devrait envoyer les gens. Bakotinda Bango na armée moko oyo et kozala maintenant armée nationale. Et que chaque territoire puisse s'impliquer à Koloba. Biso awa totindi 500 personnes. Awa totindi, je prends un exemple, totindi 2000 personnes. Ou bien nous totindi 5000 garçons, il y a province. Oba Outiboy. Ces gens-là seront connus. Batwana bakozala déjà na ba carte d'identité. Et dans la zone où on a donc un conflit, comme nous n'avons pas confiance en FARDC, nous allons créer les polices de proximité en attendant. Et ces polices de proximité devront être créées par l'Assemblée territoriale où on a l'Assemblée, on a l'état de lieu, où on va appeler tous les groupes armés, Batugno, Soto, Basimba, Mando, Kiboya, pour s'identifier dans nous comme Congolais. Bananyango, Baza, Congolais, Tondimi, Bino, Baza, Boza, Congolais, mais voici, il faudrait que Boza la boebo. Parce qu'à ce moment-là, nous aurons l'autorité à l'État. C'est par là que nous devrions reconstruire l'autorité de l'État. Bon, moni que sikoyo, idéwana ekokai ko désescalader même ba ambition ya batu mususu o baza kolobake non to bunda poto ya ko chasser Fathi. Il se serait dérobé. À ce moment-là, sokoza congolais, olobi ke yo nga naza congolais nga naza wilingo mao naza boy. Il faudrait que on le kana processus ya identification. Parce qu'à ce moment-là, Batwana Bazana Kati, pour être par exemple président de la République, on devra le définir maintenant dans chaque script ya constitution na biso mode ya élection à président de la République. Et que Batuna Batubakoyo Kanabalobi pour cause à la président de la République, il faut que nous membres comité, ya bayo na territoire, bayo na province, et ainsi nous pouvons faire. Même l'adoption à un parti politique, ça devrait être revu. Voilà un peu l'idée que nous avions dit. Comment est-ce que nous pouvons cobander la zéro? Et pendant ce temps-là, l'État n'est pas éco-coufaté. Gouvernement central oya Fathi akokai kolobake nazo réorganiser na numboka babiloko msusu o tozo bundela o baba tubazo kufanzala nzala ezala kate. Mais l'essentiel, c'est ça la base, reconstruire cette base sur laquelle notre démocratie sera assise. Alors, bota la likambo, oh, deuxième sujet na lingana lobela, surtout kaka na likambo ya Fachi, oh alobi ke non, to consolider ba acquis à reconstruction oh ya entamé. Quels sont les acquis que Fachi a laissé au Toki koloba ke vraiment Fachi au Toki kokumisa elelo? Est-ce que ce sont les bâtiments? Est-ce que ce sont des programmes? Ba programme oh eza fondé sur mafia. Le programme de 145 territoires eza redistribué sur les 145 territoires, c'est du bluff. C'est du bluff. C'est comme si nous-mêmes, nous n'avons pas cette capacité à gérer Makamunabiso Moko. C'est du bluff. Le programme est gratuité et enseignement. On ne sait pas. Gratuité et enseignement, donc est-ce que c'est ça qu'on peut appeler les acquis de ce qu'il fait? À construire l'hôpital Moko Awa, à construire l'université, à bongisi université, bien sûr, mais l'université, on a toyebi place Mbongo outil. Est-ce que dans le territoire, nous pouvons protéger ces histoires-là dont nous ne connaissons pas aux places Zokouta? C'est ici où je vais tenir quelque chose. Yakoye Bisabino Bandeko. Même Bato Baza Koya Kolobanabiso Keno, Bango Baza ba manager, ils ont fait ceci, ils ont fait ceci, donnez-moi le pays, parce que Natonge Libino Awa, Napesibino Boy, Napesibino Boy. Batoa Natoye Baka place Mbongo na Bango Utakate. Biloko wana soke kufi, nani angwa kubongisa yango, toko kendeli susu kosenge la Bango Keno, Awa eloko nabiso kufi, Awa yo boya kosali sabiso. Non, nous devons apprendre à nous prendre, et à nous prendre en charge, c'est connaître nos revenus. Bande Kobalo Bakaboe, donner à quelqu'un un poisson, il va manger. Mais lui apprendre à pêcher, il ne sera plus mendiant. Akoye bani nangwa kosala, pour abongisa, pour alia. Le peuple congolais doit se prendre en charge. Le peuple congolais doit être là pour se dire que biso ngai awa nazana nkitaboe. Nazana eloko boe, tojera kayango boe, mbongo ekenda kaboe, moibi tokanga kae awa, mbongo na biso tozwa kango awa, tosala kana yango boe, voici ba problème o tozala kana yango. C'est ça la monture où nous sommes. Sur ce point-là, vous allez voir que Fachi dit que to continuer ko consolider biloko o esalemi. Biloko esalemi ezanini, eza tricherie. Eza magouille, eza corruption, eza injustice. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Et c'est cela que sur toute la ligne, il est wrong. Aza à côté, Fachi aza à côté Bandeko. Fachi aza à côté, na niveau na kolobaketo consolidé. Toko kendeka kaboete. Nous espérons d'ailleurs que l'élection Kozala, ça ce sont les espoirs que le peuple congolais a. Mais est-ce que c'est vrai Kozala Nandenge que l'élection sont les alliés? Les élections sur lesquelles nous irons, nous ne connaissons même pas le nombre des Congolais que nous sommes. Nous ne connaissons même pas le nombre des électeurs. Ezaka kaba député bazako kende na kotongela bino boye ngam tunakopesa bino boye tozako mona bato bazoko bandiko kende ko poste kopesa kaba maputa. Est-ce que ce sont là les acquis sur lesquels notre pays peut s'asseoir vraiment? Il faut qu'on se pose les questions en nous regardant dans les yeux. Il faut vraiment que nous nous posons ce genre de questions en nous disant ce n'est pas ça que nous voulons. Ezabiloko oyote. C'est pas ça. Batuo bazako iba mbongo facilement comme ça. Quelqu'un va prendre 50 millions à tienne à poche à kenae. Bakangami bazako iba te. Mutoazo banga l'État te. Cour constitutionnelle est incapable à colir loi. Parce que nini, bisonyo sotutoza na kobanga. Nani, muko antombolonde mututozo soutenir. Toyebi ke na souka tokobeta ka munduki a leki lisusu. Notre pays est basé sur la corruption, la mégestion, l'impunité. Est-ce que vraiment tu vas consolider l'impunité vraiment? Les antivaleurs, c'est ça que vous voulez, c'est que nous puissions consolider notre pays. Tu as antivaleurs vraiment, mais nous allons continuer à pleurer. Nous n'avons pas de vision pour notre pays. Mbokanabiso, il faut que le peuple congolais puisse se parler. Et c'est comme ça que nous pensons que la rétrocession du pouvoir au niveau de la base est vraiment la seule option que Mungai n'a banzi que Oekogiko sauver Bisso pour l'instant. Alors, je vais m'arrêter là, parce que les lots Contact Pro Live et Zalaka, moi, Banani, n'a qu'à expliquer l'Oko aussi Dieu levé dans l'émission il y a samedi, samedi ou bien dimanche. Je ne pense pas que ce week-end nous aurons une émission live. Ça peut être lundi, parce que la technique est aux akobongi sababilo qu'on a tout ça la live. Mon copo peut expliquer l'oko pendant 1 heure, 2 heures pour vous comprendre bien. Donc c'est pour cela que je vais vous demander de vous abonner pour que vous rattaquez babilo côté. Abonnez-vous si vous êtes là pour la première fois. Suivez-nous sur Contact Pro Live, sur réaction, toute ma vidéo, nous sommes même na TikTok, tozalaka. Et puis nous expliquons ça, la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Pour que Mboka Nabiso ezala assis sur des valeurs et assis sur la réconciliation nationale, assis sur la cohésion nationale. Batuba yebana. Oyaza Moulouba, Ndekonanga Moulouba. Azana carte d'identité. Ok, otali carte d'identité. Ah oui, ça c'est mon frère. Oyaza Nakatia, Azok Akozala nommé. Ah ok, Azana carte d'identité. Est-ce que nous pouvons savoir là où il vient? Est-ce que nous pouvons contrôler les gens qui travaillent? Est-ce que nous faisons fonctionner le pays sur les... en sachant qui fait quoi? Voilà Bandekoelo Kobiso Tobandai Kokanisa Tolo Belabino Leloyo. Aujourd'hui c'est jeudi le 16, donc le 16 novembre, et que dans 2 ou 3 jours, élection Zobanda, Fatia Lobby, et ça c'est ça qui a constitué mon point de vue, et je suis vraiment un peu malheureux en constatant que Fachi aekola muka nasuka ya mandat nae. OK, ce qui a eu 2e mandat, va-t-il encore vraiment consolider babilo kotozomona lelo, c'est-à-dire ki moibi, c'est-à-dire que ba frapper baya, c'est ça la consolidation que nous voyons. Il fait des millionnaires. Ces millionnaires ont fait quoi? Est-ce que les millionnaires ont fait des défis à l'État? Voilà un peu tout ce qui est des côtés négatifs. On a lobby que non, Fachi s'est trompé dans son mandat et nous ne pensons pas qu'il peut avoir le programme qui peut lui faire encore PC 2e mandat. Je suis clair. Ce qui a eu 2e mandat, n'a évité ce qui a causé un modèle. Na ba élection truquée, na ba élection à solo, na lobaka na lobito tika na makambo ba élection. Allons dans cette histoire là pour consolider. Ce qui a ça là qui on na lobby, il pourrait avoir un mandat, un 2e mandat facilement, parce que les gens voudront bakokai comme on a keno tozo bongisa mboka, toza na constitution asika, tozo kende déjà toza na ba carte. Même en tout cas Kadima ne rassure pas. Tous les lampions sont en rouge pour qu'il y ait une élection capotée, donc un truc qui se ressemblera aux élections, mais qui ne sera pas des élections. Tous les lampions sont en rouge. Lorsqu'on a réorganisation d'abord et à l'antenne, alors qu'il y a la liste qu'on a publiée dans le site et à CENI. Jusqu'à maintenant, site et à CENI, et Zola qui s'est là comme mon côté. Donc, on ne parvient même pas à accéder à la liste ou à la comboana. Même dans les antennes où il avait dit que non, il ne faut pas consulter, comme ça, et il ne donne pas aucun signe à Koloba que non, il y a des erreurs. Regardez comment il a répondu à Fayoulou. Alors dit que non, voilà les discours politique, tout ça, moi je n'accepte pas, il faudrait, comment, tout ça, on parle des histoires qui ne sont pas compréhensibles. Alors nous pensons ceci. Kadima doit se rétracter d'abord à Yakondima, que nos baïrés les a ébellés. Il faut mais maintenant, travaillons ensemble maintenant pour y remédier. Voici le fichier électoral. Est-ce que c'est un problème au niveau informatique? Est-ce que c'est un problème au niveau humain? Ce problème est pour que ou bien batuba duplicata eza kozala mais batuba za komo et comme il est tout comme ils sont en rôlement mususu Les gens de nom ne sont pas répertoriés. Moi, je crois que c'est ça la solution que l'attitude de Kadima devrait adopter maintenant pour rassurer les autres qu'il sait qu'il est aussi en train de les écouter. Lui, il connaît tout. Il est à Ebignon, Sobato, Bazakolo, Bazaba, Idiot, Bazaba, Batumoko, Baébien, Lokomokote, ce qu'ils disent, ce sont des mensonges. Parce que Balingi était tout ça. Tout ça, Kadima n'affiche aucun signe à Koloba Keno, signe Oro. Et ça, que quand même, Nazako, Yoka, Makambo, Boza, Koloba. Voici, Ndenge Tosali, solution, Otoba, Mesir, Tosali, Boy. Il ne fait pas ça. Donc la solution est entre les mains de Kadima, pour l'instant. Voilà, mes chers amis, là où nous allons nous arrêter aujourd'hui, en espérant que Batua Katumbi Belé, Oro Batu Batuna Kingai, Batua Bunoro, Botuna Kinga Bozui quand même réponse na ba commentaire na bino. Mais je vous promets que lorsque Katumbi s'exprimera devant les journalistes, après cela, nous viendrons aussi encore avec nos analyses et surtout le revers de la médaille. Pourquoi nous devons choisir Katumbi? Ça sera encore abordé dans cette émission-là. Donc, merci beaucoup encore une fois de plus pour tous ceux qui sont en train de me faire confiance. Dans ce pays à Mingi, dans ce cas-là, comment est-ce que Batoubaza ko s'abonner? Abonnez-vous encore beaucoup plus d'avantages. Ceux qui vont partager l'émission, ça l'a bien que Batoumsoussou, Obayoka Kadaïde, Oté à rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Bas s'abonner et puis Idewana Ekende pour que notre État puisse être reconstruit. Nous devons passer l'État au-dessus de tous les hommes. Les hommes passeront, mais l'État congolais restera. Nous allons rester, nous allons laisser ce pays dans le main de qui? Parce que Tokoléa. Et ce qui Tokei Mboke Koufi, Mobutu Kendaki Mboke Zalikaka. Kabila Kei, le père Mboke Zalikaka. Kabila le fils parti Mboke Zalikaka. Tam Soupe Tshisekedi Aokembe Mboke Kozalakaka. Mais quelle est la quel est l'héritage que nous faisons, nous laissons à notre pays? Il y a une rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Nous l'expliquons tous les jours. En tout cas, merci beaucoup. Ceux qui vous abonnez, abonnez-vous. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.